Ben voilà, on est en live. Bonjour les amis, bienvenue pour ce vidéo live avec Alain Krivine, politique, figure de l'extrême gauche. On va parler de lui un peu évidemment, on va surtout débattre ensemble. Et votre serviteur, on a écrit les deux d'ailleurs, toi en 1988, ouais, avec Daniel Ben Saïd, le regretté Daniel Ben Saïd, philosophe aussi d'extrême gauche, un livre sur mai 68. Qui devait s'appeler Repenti, un truc comme ça, non? C'était déjà Vaguement, critique. mais ça fait longtemps. Ouais. Et moi-même, j'ai écrit un livre qui sera réédité là, le 22 mars Voilà, tombe bien. sur la philosophie et dans la rue, que s'est-il vraiment pensé en mai 68? Voilà, donc on va parler pendant une petite heure. Tu m'accueilles chez toi, merci. C'était vraiment. Bah viens, passe. Si tu veux philosopher, tu veux parler de mai 68, il n'y a pas de problème, c'était très chaleureux. Et donc je compte sur vous. Pendant les quelques minutes qui viennent, on va devoir partager. Donc tu vois, ils disent bonjour. Voilà, on voit ce que vous écrivez, vous connaissez le principe, bien sûr. Le but est de partager sur vos groupes, sur vos pages, sur vos. Envoyer des messages aux gens, ça va être passionnant. On va parler de mai 68, est-il. Encore possible aujourd'hui, encore souhaitable, quelle différence par rapport à il y a 50 ans. On lance, vous savez, finalement le 50e anniversaire de mai 68. On va avoir beaucoup d'événements et beaucoup de remue-ménage comme à chaque fois dans les dizaines. Pour le 40e anniversaire de mai 68, c'était en plein sarkozysme. Rappelez-vous, il voulait liquider l'héritage de mai 68. Il a réussi, tu penses? Non. Non? Qu'est-ce qui a résisté? Pendant que je partage, tu peux saluer nos Non, indisciplinés. mais Ils s'appellent les indisciplinés. d'abord, je les salue. J'ai bu beaucoup de voix, mais ce n'est pas grave. Non, je crois que Sarkozy, il a été le premier à oser s'attaquer à 68. Ouais. Personne n'avait osé avant. C'est-à-dire que nos parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, tout ça, même s'il ne foutent plus rien maintenant, 68, ouais. c'est sacré, on n'y touche pas. Ouais, ouais, Chacun donne l'interprétation qu'il veut. Et ouais. Sarkozy a osé attaquer ça. Mmh. Mais je crois que ça n'a pas plu. Et du coup, Macron envisageait même, m'a-t-on dit, je ne sais pas, de fêter 68. Mais alors, comme avec lui, c'est du gauche et Commémorer, droite, qu'est-ce fêter. qu'il va fêter? La grève générale ou la manif contre la grève générale de fin mai? Il ne sait pas, je ne sais pas. Je sais qu'il peut avoir, comme Bendit et Romain Goupil, anciens 68ards, ralliés au macronisme, qui peuvent l'aider. Ça, c'est quand même fort. Alors, tu vas très très vite, Alain. Il faut à chaque fois qu'on contextualise, mais c'est vrai qu'un des trucs que tu mentionnes là, c'est quand même la grande spécificité de ce 50e anniversaire, c'est qu'on est sous le règne de Macron et qui confond un peu la gauche, la droite, les lignes Oui, politiques, il n'est pas le seul. et qu'on a toute une génération 68arde. Qui se dit macroniste, est-ce que ça te semble dans le courant d'une trahison sociale accomplie, l'aboutissement glorieux d'une trahison sociale, ou est-ce que pour toi c'est surprenant? Quel est ton Non, recul? c'est-à-dire, non, moi, mon recul, c'est qu'il y a d'abord il y a plusieurs morts de la génération de 68. Il y a une mort physique, il y en a plein qui sont clamsés, les Ouais. dernières dates. C'est Sauvageot, l'ancien Ouais. président de l'UNEF, qui a été écrasé par un scooter. Et puis il y a des morts politiques qui étaient chez nous, qui étaient des grands 68ards, pour ça que j'ai cité Cohn-Bendit, Ah, ou lui, celui qui a il va en fait être là, il va. mourir à 30 ans Romain Goupil. Goupil. Ouais. Et puis il y en a d'autres, Henri Weber, etc. Bon, moi je les vois toujours, mais ils sont macronistes, PS, ils ont complètement abandonné. Moi je crois toujours. Mais on y reviendra, je crois toujours que 68, ils font en réussir un, mais qui est une vraie réussite, pas un échec. Mais la plupart ont soit sont morts, soit ont abandonné la politique, donc sont morts politiquement pour moi. Ça, c'est le problème. Ouais. Il y a Cyril qui demande des barricades au château de Versailles, point d'interrogation. Bon, pourquoi pas? Il y en a bien eu, faites dans tous les sens, rue Gay-Lussac, qui n'est pas un quartier particulièrement populaire. Mais je dirais pourquoi pas, oui. Je te propose, parce que là, vous êtes sollicité pour poser des questions, débattre, hein, ça va être un dialogue avec toutes vos voix et les nôtres.
Mais le temps que vous vous chauffiez un peu, je te propose qu'on présente deux, trois points sur comment mai 68 résonne pour toi dans ta construction politique et pour moi qui suis né en 73. Je vais commencer par moi, parce que je pense que c'est plus intéressant que tu sois en deuxième sur ça. Et je vais t'interpeller comme ça et interpeller à travers toi une génération. Je vais te lire un extrait pour commencer, très rapide, de Arlette Farge, l'historienne. Et elle explique en fait qu'il y a eu une sorte de chape de plomb qui s'est mise sur tous les espoirs qu'avait soulevé mai 68. Je la cite, « Très vite ont été balayés les espoirs de mai 68, échec d'une génération qui n'a pas su transmettre son savoir, son élan, sa générosité, ni pousser en avant les générations suivantes, mais les a au contraire coiffés comme on recouvre une terre d'une chape de plomb. Le constat persiste d'une génération qui n'a pas su enfanter ses successeurs, ni faire essaimer ses idées de liberté. » Et pour parler de moi, personnellement, j'ai consacré donc mai 68, La philosophie est dans la rue, il y a 10 ans, où j'explique pourquoi ça me tient autant à cœur, parce que c'est vrai que j'ai grandi avec à l'ombre de ce meilleur antérieur. 68, c'était vraiment le souvenir qu'on me ressassait, un souvenir, une sorte d'acmé de prise de conscience politique, mais plus que ça, de prise de conscience existentielle sur la vie, sur le rapport au monde, sur le rapport à soi, sur le rapport aux enfants, sur le rapport aux femmes. Donc une sorte de remise en question jouissive, bouleversante, extraordinairement heureuse, au moins pendant cette période. Et on avait l'impression, nous, notre génération, d'après 68, qu'on ne pourrait jamais égaler ce moment de bonheur. Et j'ai l'impression que c'était presque une entreprise de castration préventive sur ce que ma génération, ceux qui ont grandi dans les années 80, auraient pu apporter modestement comme envie de changement, comme lecture du monde. Tout avait été pensé avant, tout avait été fait avant en termes de théorie, en termes d'utopie, en termes de philosophie. Et c'est vrai que quand je constatais comment votre génération, finalement, s'enfonçait dans des reniements assez compliqués et présentait quand même ce qu'on peut appeler un monde de merde, parce que ce que vous avez fait, grosso modo, c'est nous préparer un monde de merde, un monde où les problèmes d'écologie n'ont jamais été aussi atroces, un monde où on se retrouve avec un capitalisme dégénéré et une précarisation horrible. Vous avez quand même laissé un monde sans espoir, un monde assez désincarné avec la télévision et des programmes débiles. Vous nous avez laissé un monde où le meilleur avait été fait avant, donc finalement, on ne pouvait pas apporter notre modeste pierre à l'édifice. Voilà, donc c'est un cri de révolte, et c'est aussi essayer de comprendre ce qui s'est joué en mai 68, et ma lecture, et je finis là, ma lecture c'est ce qui s'est joué, un truc qui dépassait les acteurs sur place. Les acteurs sur place ont cru que c'était vraiment une révolution, une grève générale, et c'est vrai, une grève générale comme jamais la France a connu ça, les ouvriers, les étudiants qui se mettent ensemble, toute cette imagerie finalement d'extrême-gauche assez classique, assez connue. Et j'ai l'impression que moi qui s'est joué quelque chose de beaucoup plus fort que du marxisme ou que de la politique politicienne, il s'est joué vraiment un truc beaucoup plus rimbaldien, beaucoup plus poétique, beaucoup plus profond en termes d'utopie. Changer la vie, pour moi, c'est le slogan que je retiens de mai 68. Voilà, je provoque un peu pour lancer le débat. Ton mai 68, et puis tu peux répondre à ce que je viens de dire. Vas-y. Non, mais je suis en partie seulement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je vais citer une citation de Trotsky. Hein. Bah, vas-y. Hein. Alors, allons-y. Attention, grand moment. Je ne suis même pas sûr que c'est bien de lui. Mais ils vont vérifier, fais gaffe. Il disait que quand il y a un mouvement social d'une telle ampleur, enfin d'une ampleur énorme, en 68, il était mort, les gens sont quotidiennement méconnaissables. Pas mal. Alors, tout ce que tu dis, c'est vrai. Les gens étaient méconnaissables de jour en jour. Se politisaient, se radicalisaient, on ne les reconnaissait plus, ça c'est vrai. Mais je crois que c'est valable pour tout mouvement social. Donc le gros problème, c'est pourquoi mai 68 a partiellement échoué? Est-ce qu'on peut recommencer à mai 68? Est-ce qu'il peut y avoir des explosions sociales du type 68? Et bien comprendre que le mouvement de 68 en France, il y a eu une liaison que moi j'appelle pas liaison, il y a eu une convergence. Une convergence étudiant-ouvrier. Ouais. Il y a eu un peu la même chose en Italie un peu plus tard, qu'on a appelé le Sweeping May. C'est pas d'italien, c'est de l'anglais. Le mai rampant. Mais partout ailleurs, ça a été que le mouvement étudiant. Alors, ce que je retiens, mais c'est pas exactement ce que tu dis toi,
C'est une explosion sociale effectivement gigantesque, comme il n'y a jamais eu, avec une grève générale. Moi, je retiens surtout ça, une grève générale qui a duré plusieurs semaines, parfois plus, et qui a touché près de 10 millions de salariés. Donc moi, je retiens ça, mais je retiens qu'aujourd'hui, alors ça, c'est la différence fondamentale, les étudiants sont plus 600 000, mais 2 millions travaillent pour la plupart. Il n'y a plus de grosses usines, Renault-Bianco n'existe plus, c'était la grosse usine. Il y avait un mot d'ordre à l'époque, on disait « quand Renault s'enrhume, la France éternue ». Mais il y avait 30 000 ouvriers, dont au moins 1 000 PC là-dedans, enfin, on en reparlera après. On a été mal accueillis quand on a voulu faire la jonction, au mois de mai, quand l'usine Renault est partie en grève. Mais je veux dire, moi ce que je retiens, c'est une grève générale, c'est une explosion, c'est effectivement un début de révolution culturelle et sexuelle, mais qui dure toujours. Parce que tous les mouvements dont on parle aujourd'hui, les mouvements sociaux, comme on dit, mouvement des homos, mouvement antiracisme, mouvement pour les immigrés, mouvement des femmes, sont nés après 68, mais grâce à ça, 68. Par contre, sur le plan social, il y a plus d'échecs que de succès. Il y a eu beaucoup de succès en 68, obtenus. Il y a eu quand même beaucoup d'avantages, il y a eu les accords de Grenelle, je sais qu'ils ont été repoussés à Renault. Puis ensuite, finalement, quand le PC a accepté, parce que c'est on y reviendra, c'est un problème de transition, 68, entre un PC en crise, mais qui n'apparaît pas encore, une CGT en crise, mais ça n'apparaît pas encore, une nouvelle classe ouvrière, mais qui apparaît à peine, un nouveau mouvement étudiant qui apparaît à peine. Bon, c'était une période de transition, mais moi, ce que je retiens, c'est une explosion sociale. Aujourd'hui, il n'y a pas une explosion sociale, il y a plein d'explosions sociales, mais dans un climat qui a complètement changé, où gauche-droite, les gens ne font plus de la différence, ils la faisaient en 68, où la droite fait une politique d'extrême droite et la gauche fait une politique de droite, donc les gens sont paumés et il n'y a plus d'alternative crédible. Même nous, on n'est pas crédible. On est populaire, mais pas crédible. Donc, tout ça est à revoir. Christine qui dit « Monsieur Krivine, pourquoi un autre mai 68 serait possible ou non aujourd'hui ?» Elle te recentre dans le cœur du débat. Moi, je crois que ça serait possible en termes d'explosion sociale. Il y a plein de petits mai 68, soit social, soit écologique, comme Notre-Dame-des-Landes, là, pour être d'actualité. Il y a des usines en grève, mais il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de mouvement général, il n'y a même pas de croyance dans la possibilité d'un mouvement général. Les manifs, il y a du monde encore dans les manifs. Moi, je ne tue pas les syndicats, ils existent toujours, mais ils sont très affaiblis. Le PC n'est plus ce qu'il était, il est très affaibli, il est en pleine crise. Les Verts sont en pleine crise, le PS est en pleine crise. Tout le monde est en pleine crise. Nous-mêmes, on est en pleine crise. Ouais. Donc, je veux dire, il y a une crise de la gauche et de l'extrême gauche qui est gigantesque. Il y a une crise de la droite, j'en parle même pas. Donc, les gens sont perdus. Ça, c'est la grosse différence. Mais il y a une série d'explosions sociales qui me font dire que quand une série de problèmes seront résolus, je crois toujours à la nécessité de renverser le capitalisme, d'une révolution et tout, même si aujourd'hui ça apparaît un peu complètement... Non, je ne crois pas. Figure-toi que j'ai l'impression que l'idée d'être un peu anticapitaliste aujourd'hui est plutôt dans l'air du temps. En tout cas... Qu'est-ce qu'a dit Sarkozy ? Ah, je suis désolé. Il a une formule à un moment très bonne, quand il a remis en cause ceux qui géraient. Alors, tout le reste, il disait que des conneries. Mais là, au moins... Il a eu une formule qui, à mon avis, était juste quand il expliquait que la gestion actuelle n'est pas bonne. Il faut la remettre en cause, mais là-dessus, il avait raison. Je trouve, rien que le mouvement des insoumis qui n'est pas aimable avec le capitalisme. Aujourd'hui, on voit bien que l'entreprise qui tue les gens, qui massacre parfois un certain management au stress... Qui fait que même des cadres aujourd'hui sont extrêmement mal, etc. La précarisation de la jeunesse. Je veux dire, il y a des jeunes qui sont des jeunes étudiants, des jeunes travailleurs qui sont pauvres, des travailleurs pauvres. Donc l'idée que l'ubérisation des salariés, etc. Donc l'idée que le capitalisme n'est pas notre ami, je crois que maintenant c'est acquis. Donc la question c'est quel est le modèle de l'espoir, parce qu'en 68 ce qu'il y avait c'était pas tellement un modèle. Moi je pense que les grands modèles des partis politiques de l'époque, ils ont essayé d'infiltrer un truc qui les débordait. Tous les témoignages sérieux de l'époque nous montrent qu'il y avait une sorte d'énergie, d'effervescence qui débordait, qui était transpartisane. Avec les mots d'ordre, sous les pavés de la plage, etc. Exactement, jouissons sur l'entrave. D'interdire et tout. Et puis alors sur Marx, il y a beaucoup de... Ça se moque de Marx, ça se moque de la révolution. De tout. De tout.
Je crois que c'est 68, c'est un ébranlement de la figure de l'autorité dans la mesure où, en 68, alors que les autorités étaient très assises, il y avait De Gaulle qui était indéboulonnable, etc. En 68, tout d'un coup, on a compris qu'on pouvait demander à l'autorité d'où tu parles. On pouvait demander des comptes à l'autorité. On pouvait discuter l'indiscutable. C'était vraiment, en ce sens, c'est une révolution philosophique, même avant d'être sociale. Non, mais c'est surtout, moi je me rappelle d'un mot d'ordre qui était un des plus populaires, scandé aussi bien par les ouvriers que par les étudiants, 10 ans, ça suffit. Parce qu'il faut voir que tous ces gens qui ont fait 68, la plupart avaient voté De Gaulle pendant près de 10 ans. Et ils se sont rendus compte d'un seul coup que c'était une supercherie et que De Gaulle était réactionnaire comme les autres. Bon. Comme maintenant les gens votent mal. On va lire des petits commentaires. Il y en a beaucoup. Merci hein, les amis. N'hésitez pas, hein, je vais prendre en compte vos commentaires. Vous êtes super prolixes. Quelle place pour la... Je t'en cite plusieurs et on répond. Cyril, n'oublions pas le droit de vote des femmes, déjà une première lutte. Xav, quelle place pour la politique en 2018 ? Carrément. Linda, n'y aurait-il pas de plus en plus de nouveaux réactionnaires depuis mai 68 ? Dixie Feu, Daniel Lindberg. Bruno, bonsoir, si Internet avait existé en mai 68, ce monde serait-il différent ? Cécile, ce n'est pas vrai, le petit peuple en a marre et nous en parlions ce soir. Oui, pour le re-mai 68, par contre, le peuple souffre sous le poids des charges et de l'empire du système. Elsa, la révolution est-ce une conséquence de crise ou une cause ? Cyril, problème de sincérité, il dit. Capitalismo o colonialismo, dit Dino, en italien. Maeva, tu vois, c'est assez actif. Hein. Mmh. Maeva, les nuits debout n'ont-elles pas réouvert cet espace des possibles pendant un moment ? Sacha, il y a une vraie cohérence de faire un parallèle entre mai 68 et maintenant, point d'interrogation. Aujourd'hui, il y a plus de ça et moins de ça. Quel est l'intérêt ? La révolte, c'est bien au moins, point d'interrogation. Sacha qui est russe, donc voilà. Le problème est là, dit David, c'est dans l'air du temps. Quid de la sincérité et de l'éthique dans l'indignation et la révolte. Voilà. Oui, c'est chaud. Vous êtes chaud bouillant. Ah, il y en a plein. Mais c'est bien, c'est tout est pertinent. Non, c'est chouette, mais alors moi je peux pas répondre à tout. Non, mais glane, prends, fais comme tu peux. On survit. Les femmes, par exemple. Je trouve que c'est le seul mérite du film de Romain Goupil qui a été tourné bien après sur Eric Anati, où théoriquement il devait parler de Eric Anati, des jeunes lycéens en lutte. Mais le rôle des femmes apparaît là-dedans pour ce qu'il était en 68. C'est-à-dire les femmes, elles ont aidé à construire les barricades, elles passaient les pierres, mais aucune dirigeante. Jesmar, Sauvageot, Cohn-Bendit, c'est des mecs. Il n'y avait pas de dirigeante. Et elles servaient à bouffer dans le film de machin. Oui, le beefsteak d'un ouvrier vaut autant que le beefsteak d'un bureaucrate. Elles étaient là, elles servaient à bouffer, elles servaient à boire. Et le MLF, c'est 70, c'est après. Le mouvement des femmes est né après. Alors, il y a eu un mouvement des femmes. Avec ce sommet formidable, c'est l'appel des 100, bien sûr. Il y a quelques jours. Magnifique. N'en parlons pas. Ex-68arde, pour certains. Moi, je parle surtout de l'appel sur l'avortement. Oui, bien sûr. 10 ans, j'ai avorté. C'était fantastique, ça. Bon, alors après, ça a été dégénéré, tout ce qu'on veut. Mais je veux dire, le mouvement des femmes, qui est énorme, mais il est né après 68, grâce à 68, mais après. Mais en 68, les femmes jouaient aucun rôle. C'est ça le problème. Alors ensuite, révolution ou pas, Nuit debout. Mais Nuit debout, tout ça, je trouve que c'est intéressant. Non, moi, j'étais à Saint-Denis, oui. Hein? On a démarré ici, on a été 400-500, mais on a terminé à 50. Mmh. Philippe Poutou est venu. Besançon a été à Nuit debout à Paris, mais d'abord, Nuit debout, il n'y a jamais eu un monde fou. Ah, moi, j'ai vu 3000, 4000. Oui, mais c'est pas énorme. Mais symboliquement, c'est tenir la place. Oui, mais socialement, moi, j'étais à fond pour Nuit debout, mais j'en voyais les limites. Mm. C'est que Nuit debout, comme les apatistes au Mexique, hein, je fais le tour, là, donc, je sais pas. Ben, les apatistes, j'y suis allé, moi, quand j'étais député européen, ils ont tout fait, mais ils ont occupé même le Parlement. Mais comme ils ne mettaient pas en cause de pouvoir, tout le monde s'en foutait. Ensuite, ils sont rentrés se coucher et ils ont continué à occuper la partie du Mexique qu'ils avaient libérée. Ce que tu dis, c'est que Nuit debout n'avait pas en fait une perspective de pouvoir. Une perspective de pouvoir. Mais non, aucun. Mais en 68 aussi, figure-toi, la plupart des gens... Mais c'est pour ça que ça a foiré. Ah oui, donc tu restes dans une lecture. Bien sûr, une lecture. Moi, je pense qu'en 68, je vais te dire la vérité, j'étais déjà trotskiste. Bah, raconte-nous un peu, parce que toi, tu l'as vécu. J'ai vécu, mais... Je ne savais pas où ça allait, mais je savais où ça n'allait pas. Ouais. Je savais que ce n'était pas une révolution.
Je savais que la liaison ouvrier-étudiant n'était pas réelle. Et la preuve, c'est que, je sais plus, c'était le 17 mai, je crois, quand j'ai appris que Renaud se foutait en grève, j'allais jamais aux assemblées générales étudiantes à la Sorbonne. Mais là, j'y suis allé pour une fois pour dire, on fait la jonction ouvrier-étudiant, on y va. Ouais, on y va. Et mes milliers d'étudiants m'ont suivi. On y a été. Et c'est là où on voit à la fois la force et la faiblesse du PC à l'époque. C'est que le PC était assez fort pour emprisonner, on peut le dire, l'usine Renault. La plupart des ouvriers, tout était fermé, complètement bouclé. On est arrivé comme des cons, là, rien. Et puis quelques ouvriers chantaient l'inter et nous accueillaient sur les toits. Mais rien, il n'y a pas eu de jonction. Il n'y avait rien, rien. Alors en province, il y a une copine qui vient d'écrire un bouquin, elle dit que c'était un peu plus développé, et ça je veux bien la croire, parce qu'elle a fait des études. Mais ce que j'ai vu à Paris, c'est les cortèges étudiants très massifs. Il y avait 500 000 étudiants, mais très massifs, Cohn-Bendit, Jesmar. Mais quand les gens se sont mis à crier le pouvoir aux travailleurs, tout le monde s'est regardé. Le Parlement en est passé devant 3-4 fois, était vide. Mais personne n'avait envie de rentrer dedans, ni de le mais piquer. Vraiment, c'est un point de désaccord. C'est vraiment un vrai point de désaccord. Je pense que c'est ça la victoire de 68. Et je crois que 68 n'a pas échoué, mais a réussi. Alors, c'est sûr... Non. 68 n'est pas un parti. 68, c'est un moment historique. C'est une explosion philosophique de masse. Tout d'un coup, les gens remettent en question les choses qu'ils n'avaient pas mises en question, discutent. C'est pas du tout un psychodrame, comme on l'a dit, parce qu'ils parlent pas de papa-maman. Ils parlent de la vie, de la politique, du bureaucratisme, du technocratisme. Ils parlent même de l'écologie à l'époque. Ils parlent de tout. Ils remettent, on appelle ça réinventer le monde. Alors ça, c'est vraiment réinventer le monde qui signe 68. C'est ça la victoire de 68, c'est d'avoir fécondé. Je vais lire quelqu'un qui a un nom qui est magnifique, Alba de Céspedes. Alba de Céspedes était en mai 68 et elle écrit les chansons des filles de mai. Et voilà ce qu'elle écrit. « Les tracts que nous avons rédigés, tapés, imprimés sont les lettres d'amour de notre génération. Nous sommes les cœurs des jeunes greffés dans la poitrine des vieux, des pays vieux. Nous étions le choix le plus sûr pour vos investissements d'avenir. Vous l'avez raté, nous reviendrons. » Donc elle est en plein dans notre sujet. Elle a raison. Oui, mais moi je pense qu'il y a une fécondation séminale qui est de l'ordre de la possibilité de réinventer le monde et de pouvoir... Et Nuit Debout, c'est la même chose au bout du compte. Le but du jeu de Nuit Debout n'est pas de prendre le pouvoir, évidemment. Le but du jeu est de parler et de remettre à neuf. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai même couvert des heures et des heures de live là-bas. J'étais au grand moment de Nuit Debout, en tout cas parisien. Et vraiment, je peux te dire qu'il y avait une effervescence tout à fait particulière, très proche, à mon avis, de 68, c'est de remettre à plat. Le mec, les fous pouvaient s'exprimer, les douleurs pouvaient s'exprimer. D'accord. Mais c'est énorme. Mais Nuit Debout, tu n'as jamais eu plus de 4000 personnes. Parce que tu es dans une logique, toi, tu es dans une logique oui, de manif, tu es dans une logique de renverser le pouvoir. De manif, oui, bah oui, de prendre le pouvoir. Mais le pouvoir et la superstructure, alors. Si tu prends Nuit Debout, si tu prends à une autre échelle, Podemos en Espagne. Ouais. Si tu prends Syriza à une autre échelle en Grèce, c'est des mouvements fantastiques. Mais ça commence par des étincelles. Gens... Mais non, mais et les c'est des dizaines de milliers de gens en Grèce. C'est pas en claquant et du en doigt. Espagne. Oui, mais en France, il n'y a plus rien. Nuit Debout, ça a duré un tout petit peu. Je te dis, ici, on est passé de 400 à 50. Là, je connaissais tout le monde, absolument tout le monde. Mais le PC n'est pas venu, la CGT n'est pas venue. Et ce qui est venu, c'était précisément ce qu'on voyait. Parce que c'est pas un truc de parti. D'ailleurs, les partis n'étaient pas invités. Je sais que ça te gratte, mais non, mais c'est pas ça. C'est que les partis n'étaient pas invités. Mais moi, je vois quand les syndicats, la CGT qui est en crise, fait une manif, il y a des peu, mais il y a des dizaines de milliers de gens qui viennent. Quand Nuit Debout fait un rassemblement, il y a 3000 à Paris. Et ici, on a quelques donc toi, centaines. Tu imagines je pense que le problème du pouvoir a pas été posé parce qu'il était. Moi, je me rappelle, en 68, on suivait Jesma, Sauvageau, Cohn-Bendit pour les manifs, pas faire des républiques, nations, républiques, etc., sans piternel. Mais quand les gens criaient le pouvoir aux travailleurs, il n'y avait personne. Alors, il y a ce que tu dis sur le PC, la CGT, qu'on ne voulait pas, qui était débordé par le mouvement. Tu sais que ça fait trois fois que tu cites le PC, quand même. Oui, mais parce qu'à l'époque, il était très fort. Oui, je sais. Et je l'ai bien vu en mais ils se sont fait huer quand... Oui, mais alors, c'est Guy, c'est ça qui est extraordinaire. Faut que tu recontextualises, parce qu'on a vraiment de tout. On a des Tunisiens, on a des Algériens. Mais... Je veux dire, bon, si on prend l'usine Renault, donc je répète, il y a... Maintenant, Renault, c'est pas Renault. Maintenant, c'est Muliez, et maintenant, c'est Carrefour. Il n'y a plus rien, maintenant. Ouais.
Non, mais on parle d'un mai 68 renouvelé. C'est pas chez PSA. Non, mais Renault-Billancourt, il y avait 30 000 ouvriers, mmh. avec ce fameux mot d'ordre dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand Renault s'enrhume, la France. Quand Renault éternue, la France s'enrhume. Donc un grand pouvoir. C'était un énorme pouvoir, mais il y avait 1000 communistes. Un an après, j'étais soldat, candidat à la présidentielle, je suis allé faire un meeting devant l'usine Renault. J'étais accueilli par des centaines d'ouvriers au cri de « le fascisme ne passera pas », ce qui est un peu exagéré. D'abord, parce que je ne voulais pas passer, deuxièmement, je ne suis pas fasciste. Mais c'était les militants du PC. Mais ça prouve à la fois la force du PC et en même temps sa faiblesse. C'est le début du début. En gros, pour moi, mai 68, c'est un mouvement transitoire entre une vieille classe ouvrière, la Commune de Paris, les barricades, mais des belles barricades faites, Boulevard Saint-Germain, sciaient les arbres, ont retiré les grilles, c'était bien foutu. Et puis, une nouvelle classe ouvrière, très radicale, qu'on avait vue à Caen, à Redon, etc., qui se battait. Alors elle, quasiment pas avec l'appui des syndicats ni du PC. De nouvelles couches étudiantes, et c'est qui à la fois se radicalisaient, parce qu'ils arrivaient à l'université où il y avait la mixité, à Nanterre, il n'y a pas de mixité, des dortoirs, comme Bendit s'est battu, etc. Et puis, on remettait en cause les cours emmerdants qui avaient lieu dans les facs. Et puis, en même temps, une politisation liée à la guerre du Vietnam. En février, il y a eu la fameuse manif à Berlin, où on était, c'est là où on a appris les mots d'ordre de Che Che Guevara, Ho Chi Minh, qu'on a gueulé, que des mots d'ordre con, mais ça fait rien. Mais on les a appris, on les a criés. Donc il y avait les deux. Et je crois que mai 68, c'est une espèce d'explosion révolutionnaire, mais transitoire, avec une vieille et une nouvelle classe ouvrière, un vieux mouvement étudiant et des nouveaux étudiants qui apparaissent. Et tout ça est mélangé. Du coup, il y avait des barricades sérieuses, il y avait d'autres barricades où il y a eu ça, que c'était un bordel, y compris construites devant des impasses, mal construites. Il y avait, je me rappelle encore, parce que j'ai des souvenirs précis, des petits souvenirs précis, d'un ouvrier, ou pas d'un ouvrier d'ailleurs, d'un type de la rue Gay-Lussac, ça ne devait pas être un ouvrier, qui voyant sa bagnole dans une barricade brûlée, se marrait et disait « Tiens, ma bagnole brûle !» Mais je suis sûr que trois semaines après, quand la droite a remporté le raz-de-marée électoral, comme il a vu que le mouvement ouvrier foutait rien, il a dû voter à droite, pour voter pour l'ordre, pour voter pour moi, et la droite a gagné les élections. Alors, donc c'était une façon d'en mais je comprends, je comprends ta déception par rapport à mai 68. Moi, j'ai l'impression que mai 68, en fait, a frappé la superstructure bourgeoise. Et j'ai l'impression que c'est une victoire. Après 68, d'abord 68 a désembourgeoisé la philosophie dans son sens populaire, dans le débat d'idées, la réinvention d'idées, des gens qui se trouvaient tout d'un coup légitimes du jour au lendemain à parler de choses hyper complexes, à défaire la parole des experts. Donc il y a le bourgeois après 68 n'est plus du tout le même que le bourgeois d'avant 68. Et ça, c'est une victoire énorme, c'est énorme. Et toutes les conséquences qui en découlent, y compris au niveau de l'éducation, j'ai des amis qui m'ont dit, moi, après, j'ai vu 68, j'avais 11 ans, j'ai vu, pas moi, mais mes amis, mais il y avait une école avant 68, une école après 68. Le rapport aux profs, le rapport aux habits, le rapport le rapport au monde avait totalement changé. Donc il y a un vrai changement qui est d'ordre intellectuel, philosophique, de réinvention du monde, de repoétisation du monde. Pour moi, le Pygmalion de mai 68, c'est beaucoup moins les groupuscules politiques que un Henri Lefebvre. Henri Lefebvre, alors je suis désolé, oui, toi, tu vas me sortir PC, tout ça, mais enfin, il n'est pas orthodoxe là-dedans. Mais surtout, il a Nanterre en 65, il a les enragés, il réinvente tout, il a créé les situs déjà à Strasbourg, il a des textes depuis les années 60 qui sont des textes de critiquer la vie quotidienne, n'allez pas dans les profondeurs d'un Nietzsche, d'un Freud, etc., restez à la surface. Il est pour moi, il fait son cours en 67-68 à Nanterre sur sexualité et société. Il y a quand même une question aussi de sexualité en 68, de libération sexuelle. On peut pas, et ça se met pas dans des appareils. Oui, je suis d'accord. Mais je crois que c'est valable dans tout mouvement social. Moi, ce que je peux retenir, c'est que maintenant, on n'est plus en 68, on a Macron, la gauche, la droite, les gens ne font pas la différence. On a tout ça, c'est terrible. Macron, il se gaullise, peut-être que ça finira par un nouveau mai 68. On a Cohn-Bendit. Il concentre tous les pouvoirs, il dit je suis partout, un peu comme De Gaulle à l'époque. Non, on a Cohn-Bendit et Romain Goupil qui sont macronistes. Enfin bon, oui. On a Finkielkraut quand même, qui est spectaculaire dans le côté revirement. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Ouais. Mais il y a plein de revirements de ce type. Et pourquoi je les approuve pas. Le pouvoir, au goût du pouvoir. Non, parce que je crois qu'on a foiré. Je veux dire, on a réussi, tout ce que tu dis, c'est une réussite de
de 68 au niveau social, ça c'est vrai, y compris le mouvement des femmes, le mouvement homo. Tu veux pas dire philosophique, t'as du mal à... Non, parce que la philo, la plupart des gens s'en foutent, parce que... Oh là là, oh là là, faut que je boive un coup mes amis. Mais ils savent pas, mais ils connaissent pas. C'est un petit milieu que je connais, que je fréquente. Je parle pas de la philo universitaire. Non, mais je sais bien, mais même le terme, je veux dire, pour la masse des gens, ça veut rien dire. C'est de la philosophie, tu vas voir, va dans la rue, ici à Saint-Denis, parleur de philosophie, ils vont te regarder. Je le fais même en prison. Mais non, mais d'accord, mais ils te regardent, ils te disent bon, oui, oui, pourquoi pas. Mais c'est sûr que maintenant elle est réembourgeoisée. Bon, bref, on lit des questions. Bon, d'accord. Ah, non, il faut qu'on avance là. Est-ce qu'ils sont, ils sont chauds bouillants. Frédéric, Macron n'est-il pas aussi un mouvement transitoire? Alma, la société n'était pas autant divisée en 68. Non, il y avait une majorité de la même classe ouvrière. Aujourd'hui, c'est compliqué de rassembler toutes ces classes si loin les unes des autres, malheureusement. Sans parler des communautés aujourd'hui, parce qu'on a aussi un racisme intercommunautaire, enfin, de folie. On en parlait d'ailleurs. Michel, 68 doit beaucoup de droits nouveaux pour les salariés, mais rien n'est jamais acquis. Je continue un peu. Sacha, ok, c'est dans le cœur des gens, la victoire et surtout l'expérience vécue. Pour comprendre quelque chose, il faut le vivre. Le parallèle est fait pour ça, pour l'interrogation. Alain témoigne de ce qu'il a vécu. Alain, vive mai 68, ça vous a donné quels outils dans la vie? Attends, on en prend quelques-uns. Est-ce vraiment positif d'avoir vécu ça? Demande-t-il. Eliminator Mordor. La communauté animale, abeilles, fourmis, etc. est biologique et sert à la survie. Le lien politique est le langage et sert le bien-vivre et la société. J'ai rien compris, mais c'est pas grave, c'est bien. David, c'est aussi la victoire du discours universitaire, le discours du savoir, pour ne pas dire du maître, le règne des experts. Ah bon? Non, au contraire, je crois que c'était contre les mandarins, enfin, au contraire, c'était justement ce que je dis, c'est que tout d'un coup, bon. Alors, mai 68, une révolte contre l'ordre moral, scolaire, conjugal, patriarcal, dit Linda, qui se politise, que sont devenus les anonymes de mai 68, sans doute pour beaucoup déçus. Oui, ben, je crois qu'elle a raison. Il y en a, la plupart font plus rien, sont plus militants, soit certains, une minorité au PS, Macron, etc., mais la plupart foutent plus rien maintenant. Et quand on continue à croire à un nouveau mai 68 qui réussit, on apparaît comme des zombies, comme des fous, comme des cinglés. Tu veux dire c'est nous ce soir? Oui, oui, par exemple, nous, oui. Peut-être vous mais aussi. Moi, je pense que justement, 68, il y a une question, et maintenant, ben, je crois qu'il faut voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Et comment faire un 68 qui réussisse? Attends, Ernst Mandel en parlait déjà. Oui. Ernst Mandel fait de la commune à mai 68. Tous, ils ont parlé de ça. J'ai lu de quantité de livres pour écrire le mien, où l'obsession, André Gorz, l'obsession, c'est comment on va réussir ce qu'on n'a pas réussi. C'est-à-dire, il faut organiser, encadrer, Oui, mais plus dire. Maintenant, c'est plus ça. Ah, c'est Mandel, quoi maintenant? Il est mort il y a pas mal d'années. Ben, maintenant, c'est Macron. C'est soit enterré, soit ne pas en parler. Soit ne retenir de 68. Historicisé maintenant. Que la révolution culturelle et sexuelle. Moi, par exemple, je n'ai pas foutu les pieds à l'Odéon. Et je sais que c'est là que ça se passait. Je me rappelle Piccoli me disant j'arrête d'être acteur pendant que Sartre faisait le guignol sur le truc. Là. T'as connu Sartre, c'est vrai. Mais oui, mais bien sûr. Mais je veux dire, bon, moi, je dis à Piccoli non, reste comédien. Nous, on n'a pas de bon comédien. Toi, t'es un bon comédien. Mais je sais ce qui se passait à l'Odéon, où tout le monde remettait tout en cause. Mais. Ça ne me gênait pas, moi je trouvais ça bien, c'était bien. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui est décisif, la preuve. Ils sont tous restés ce qu'ils étaient à l'époque. La plupart des comédiens sont restés comédiens, la plupart des artistes sont restés artistes, même si à l'époque, ils remettaient tout en cause à l'Odéon et ailleurs. Mais je veux dire, pour moi, ça c'est secondaire. Je crois effectivement l'idée que... Mais par exemple, c'était les intersyndicales qui servaient les commerçants, parce qu'il n'y avait plus à bouffer. Il fallait donner à bouffer aux gens, puis il n'y avait plus d'argent. Et puis on ne prenait pas la voiture tout seul, on la prenait collectivement. Tout ça est vrai, parce qu'il n'y avait plus de taxi, il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus d'autobus, il y avait la grève. Donc les gens sont effectivement quotidiennement méconnaissables. Tout ça est vrai, mais je crois que c'est valable dans n'importe quel mouvement révolutionnaire. Moi, j'en ai connu qu'un, celui de 68. Alors, bien sûr, ça m'a marqué, je m'en rappelle, mais je ne crache pas dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là où on paye lourd le fait qu'il faut recommencer. C'est ça le problème, c'est qu'il faut recommencer. C'est que les élections fin 68, ça a été la victoire de la droite. Il y en a plein qui n'ont pas voté, mais ça a été quand même la victoire de la droite, la victoire
je veux dire, le retour à l'ordre, etc. L'ordre, le retour à la normale. À la normale, les moutons. Parce qu'il y a eu 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines où il n'y a plus de flics à Paris, où c'est les syndicalistes qui faisaient la circulation, ce que je n'avais jamais vu de ma vie, et c'était bien foutu. Mais je veux dire, tout ça a foiré. Et ça a foiré à partir du moment où le PC a accepté le fameux discours de De Gaulle disant « je fais des élections ouais, ». Alors... Le PC a dit oui, et c'était foutu, parce que le PC avait encore attends, une force. Juste. Mai 68 a fait les plus grands philosophes du XXe siècle français. C'est mai 68 qui les a fait. Bourdieu, il était complètement à l'ouest, il a commencé à avoir des perspectives sociales 17 ans après 68, mais en écho. Sartre, à l'époque, comme tu disais, bah, il écrivait, il était obsédé par Flaubert, Barthes, bah, Balzac, enfin, ils étaient complètement à l'ouest. Lacan s'interrogeait sur est-ce que c'est le petit tas de l'inconscient ou l'inconscient du petit tas structuré comme un langage ou le langage qui est structuré comme un langage. Bon, bref, un charabia impossible. Foucault était carrément limite réactionnaire. À Clermont-Ferrand, il s'était illustré. Et 68, il a complètement. Il dit sa dette à 68 d'avoir s'être intéressé aux prisons. C'est quand même un philosophe bon, qui sort du moule de la philosophie et qui tout d'un coup s'intéresse aux prisons, aux fous, etc. C'est l'effet de 68. Deleuze n'arrête pas de dire sa dette en 68. Il dit il y a eu un avant et après pour la philosophie. Et quand tu lis l'Anti-Oedipe. C'est vraiment un pamphlet, un brûlot qui est complètement vibrant de mai 68. Ça commence, ça chie, ça baise, des phrases comme ça par un universitaire que tu n'en avais pas dans la philo. Il y a toute une énergie intellectuelle. Alors évidemment, si tu zappes le côté explosion philosophique au sens large, effectivement, tu ne vois pas l'impact. Mais 68 a fécondé, mais peut-être pas les gens dans leur pratique parce qu'ils sont encartés dans des partis, a fécondé les idées d'une époque. Et ça, c'est une immense victoire. Et je trouve, attends, je vais même aller plus loin, je trouve un peu stérile l'idée que c'est par l'organisation qu'on va réussir un nouveau mai 68. J'ai l'impression que c'est d'abord par une fécondation poétique et je dirais un rapport au monde. C'est ce rapport au monde est peut-être plus fort que des mesures politiques et des décisions militantes. Mais bon. Oui, mais là, je t'ai pris des exemples, non pas de Nuit Debout, mais des gros exemples comme Podemos et Syriza. Pourquoi ils ont échoué? Moi, je me rappelle, Tsipras est venu me voir quand il faisait 3% en disant « je suis Besançon de Grèce ». Et après, il a fait une politique d'austérité. Maintenant, il a tout le monde contre lui. Ouais. Podemos est en train de péter maintenant. Ils sont sur le problème de la Catalogne. Mais peut-être qu'ils n'ont pas assez philosophé. Mais ça, je suis pas sûr parce que tu as cité plein de philosophes. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais je vais être méchant. Je vais dire qui les lit. Mais qui les lit, qui les connaît? C'est notre milieu à nous, notre petit milieu à nous. Et je t'assure qu'ici, personne ne connaît, tout le monde s'en fout. Mais oui, mais il faut avoir... Mais non, il y a les artistes, il y a des cinéastes, ça touche des gens. Écoute-moi, mais... Les cinéastes sont restés cinéastes. Mais attends, il y a des chansons, la chanson a changé, même dans les thèmes, des Higelin, des Renaud, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est 68 aussi, il y a eu de la contestation à travers l'art. Enfin, c'est pas, je parle pas que des trois philosophes. Voilà, il y a un truc culturel qui s'est joué. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ah oui, je suis d'accord. J'aime les flics. Oui, je suis d'accord. Bon, ben allez. Oui, il chante ça maintenant. Oui, mais non, mais là, ça, c'est. Oui, c'est... la vieillesse est un naufrage pour beaucoup de gens. Des rares qui restent dans la jeunesse éternelle. Pas que la vieillesse, parce que je t'assure que. Tiens, on va lire. Au niveau de la chanson, oui. On lit. Merci, hein, vous êtes à fond. Un Tunisien qui s'appelle Fad nous dit « Je suis Tunisien et je voudrais savoir votre avis sur les syndicalistes qui empêchent la Tunisie d'avancer. Et la gauche tunisienne qui n'ont rien compris de la révolution tunisienne. Ils ne sont pas crédibles et ils ne peuvent rien faire à part dire non. En conclusion, de bonnes paroles et rien de concret. » Voilà. Ça, c'est Fad. Alexandra, je ne croise pas souvent dans la vie de tous les jours des gens politisés. Quelques 40 personnes présentes ce soir me semblent des ovnis. Le fait de parler politique et pourquoi nous votons à chaque fois non pas pour mais contre les Le Pen, etc. Un nouveau mai 68 me paraît utopique, mais je manque peut-être d'infos. Michel, 68, il y a 50 ans, et le contexte a beaucoup changé, de nombreuses grandes entreprises ont disparu. Eliminator, mai 68 est le début de la société de consommation en France et changera à jamais le mode de vie des Français. Dino, 68 era alimentato da una rebellion generalizada, c'est donc une rébellion générale. Du troisième millénaire, la Cynthia Sara in a... Ouais, d'accord, c'est vraiment une révolution, c'est l'ère du Verseau, quoi, si tu veux. Dino, excuse-moi, peut-être que je trahis un peu ta pensée, mais précise-la, voilà. Christine, un outil de seconde révolution, Internet.
les débats philosophiques sur des chaînes YouTube bien pensées comme celle d'Usul, mes chers contemporains, par exemple. David, mais ce que va dire Alain, c'est que c'est bien joli Internet, mais ça ne change pas le concret de la vie. Voilà, c'est ce qu'elle veut dire. C'est ça que tu vas dire. Bon, attends, je te laisse parler après. Attends. David, mai 68 n'avait pas pour objectif de sauver la philo. Alain a raison, ça a foiré. Bon, d'accord. Maëva, la vraie force de mai 68 et d'autres mouvements insurrectionnels à travers le monde, et la substance que j'ai tirée de ton bouquin, Vincent, c'est de redonner à chaque personne sa liberté de penser, c'est la nécessité de l'esprit critique et de la remise en question. Sans lui, qu'est-ce qui peut naître de bon dans ce monde ? Alma, et si mai 68 n'avait pas existé, on en serait où ? Sacha, mai 68 a fait les plus grands philosophes, donc c'est bien. Je pense qu'on peut obtenir les plus grands philosophes par d'autres moyens. Internet, partage, intelligence artificielle, carrément. Et Christophe, les utopistes sont souvent rattrapés par la réalité, non, tout comme nos hommes politiques. Voilà, en vrac, où on en est du débat en face. Donc, en fait... Il y a plein de vues. Bon, par exemple, de dire qu'aujourd'hui, on ne vote plus pour quelqu'un, mais contre. Tu peux. Ça, c'est tout à fait juste. Non, vas-y. C'est tout à fait juste. Enfin, si je prends l'exemple de Saint-Denis, il y a 70% d'abstention. Oui, parce qu'on est à Saint-Denis, on est chez Alain. Oui, on est chez moi à Saint-Denis. 70% d'abstention. Et ouais. Moi, je me rappelle quand on a tourné le clip de propagande pour les dernières élections de Poutou. De propagande. C'était ouais. De la propagande. Oui, ouais, c'est vrai. De propagande. Et bien, les gens arrêtaient. On dit la communication, on est sous Macron quand même. Bon, enfin, d'accord, mais la propagande, ouais. Les gens l'embrassaient, le Poutou. Ouais. Puis après, ils l'engueulaient, ils disaient, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans, dans ce bordel électoral ? Et il y avait les immigrés, les ouvriers, tout ça, qui l'engueulaient, en disant, ne te présente pas là-dedans. Et puis, résultat, 70% d'abstention. Donc, c'est vrai qu'on vote plus pour. Puis j'en ai vu d'autres qui disaient, moi, je vais voter Macron, je vais pour Macron, mais je ne veux pas de Le Pen, alors bon, bref. Et qui ont voté Macron contre Le Pen, ou qui ont voté Mélenchon contre machin, ou machin contre... Mais on ne vote plus pour. Parce que les gens qui vous disent, je vote pour parce que je suis pour, ça n'existe pas. Ah si, je crois que les Insoumis, ils aiment beaucoup Mélenchon. Oui, mais oui, et encore. Il y en a beaucoup qui ont voté Mélenchon. Si on prend le PC, par exemple, ce n'est pas les Insoumis, mais ils se disent Insoumis. Ben, le PC n'aime plus Mélenchon maintenant. Et chez Mélenchon. Parce qu'il y a plus de bleu, blanc, rouge que de rouge. Ben oui. Ouais, c'est le problème de Mélenchon. Il est nationaliste. Sur souverainiste. Les tomes d'hommes, souverainiste. Sur les tomes d'hommes, tout ça, il dit des trucs. Non, mais va au bout de ta pensée. Sois clair. Quoi. Non, mais je pense que Mélenchon, c'est pas un internationaliste. Comme on doit l'être. Comme on doit l'être, il ne l'est pas. Il a des relents nationalistes, chauvinistes, on peut appeler ça comme on veut, mais moi qui ne me plaisent pas du tout. Bon, alors ensuite, sur cette révolution tunisienne, non, je dirais deux mots, parce que je crois que c'est valable pour toutes les révolutions dans le Maghreb et même en Asie, c'est qu'elles ont foiré. C'est qu'il y a eu un immense espoir en Tunisie, au Maroc ou en Algérie. Et puis, comme il n'y a pas eu de force progressiste anticapitaliste crédible, c'est les intégristes musulmans qui l'ont emporté, en Tunisie comme ailleurs. Et aujourd'hui, le peuple tunisien se révolte contre l'austérité, parce qu'il y a un gouvernement, qu'on le veuille ou non, qui fait une politique d'austérité, qui ne fait pas une politique pour laquelle il y a eu une révolution tunisienne. Donc moi, je n'approuve pas ce que fait le gouvernement. Et je suis avec ceux qui se révoltent, un peu partout en Tunisie maintenant, les couches sociales contre l'austérité. Mais je crois que c'est un phénomène valable dans tout le Maghreb, où le fait que les partis communistes ou des partis comme nous étaient tellement petits, tellement faibles, tellement peu crédibles, que ceux qui l'ont emporté, c'est les islamistes intégristes. Alors, je connais bien la Tunisie, je suis très connecté avec la Tunisie, j'y vais quasiment tous les ans, notamment en philosophie, avec des philosophes de gauche qui ont résisté déjà à Ben Ali, qui sont hyper engagés. Il y a un truc quand même extrêmement positif, c'est la jeunesse s'est réveillée. Là encore, tu vois, on n'est pas dans du parti, dans l'organisationnel. Et t'as raison, non, mais c'est évident que t'as raison, qu'à un moment, c'est l'organisation qui détermine. Mais c'est quand même important. La jeunesse s'est emparée de l'art, s'est emparée du dire, s'est emparée du faire, s'est emparée de l'associatif. Alors, bien sûr, ça ne fait pas peut-être l'aboutissement d'un changement de régime durable, mais il y a quand même ça en germe. Évidemment, après, dans le côté l'islam, le retour à l'islam, etc., il y a aussi un truc culturel de qui on est et d'identité. Et ce que disaient mes amis tunisiens, Fatih Triki, Youssef Sédik, etc., c'était que c'est normal, c'est un passage obligatoire. Les Tunisiens ont besoin de tester ce retour un peu aux racines pour après en être dégoûtés. Donc, ils avaient cet espoir, même J'espère. Si...
Voilà. Non, t'es pessimiste là-dessus. Non, je suis pessimiste parce que je trouve que l'intégrisme islamique joue un peu le rôle de l'extrême droite en Europe. Hein. Oui, c'est sûr. Le rôle des fascistes, quoi, pour aller vite. C'est une solution de facilité. Parce qu'il n'y a pas de gauche anticapitaliste. De démagogie aussi. De facilité. Moi, je peux comprendre pourquoi les gens vont vers l'islamisme, mais ce n'est pas mon truc. Hein. Ça a un peu déchiré les questions. Islamo-connotés ont déchiré l'extrême gauche. Bien sûr. Non, mais vous êtes encore déchiré sur ça ou pas? Partiellement. Parce que tu es encore... Raconte-moi juste un peu ton actualité politique. Moi je suis au NPA qui a suivi la LCR. Ouais. C'est vrai qu'on est passé de 2000 à 9000 en créant le NPA, mais pas mal sont partis. Mais je remarque que ceux qui sont partis, c'est les membres de la LCR, c'est des membres de la LCR. Et parmi ceux qui sont restés, on doit être 3000 maintenant, c'est des gens qui ont adhéré en fin de parcours. Parce qu'ils souhaitaient quelque chose de nouveau. Moi, je crois que la force du NPA, c'est d'être à la fois antisectaire par rapport à la lutte ouvrière, à des groupes comme ça, même s'il y en a qui nous ont infiltrés, et en même temps d'être non sectaire, mais d'être unitaire, c'est-à-dire d'être pour l'unité, même avec des réformistes sur tel ou tel point. Donc je crois que c'est ça qui a fait notre force et qui a fait qu'il n'y a pas eu... Par exemple, après 68, puisqu'on parle de 68 maintenant, il n'y a pas eu le phénomène italien, il n'y a pas eu Bader, il n'y a pas eu les Brigades Rouges. Ouais. Et ce n'est pas uniquement parce que le préfet Grimaud, qui était proche de ce qui à l'époque s'appelait pas le PS, mais du PS, me l'a dit. Mais je pense que ça a joué un rôle. Le fait qu'il y ait une extrême gauche qui soit ni sectaire, mais en même temps radicale, anticapitaliste, radicale, internationaliste, mais pas sectaire. Et je crois que ça a empêché justement des groupes gauchistes, au vrai sens du terme, de développer. Je vais lire un extrait de ton livre que j'ai lu, hein, un livre d'Alain, oui, mais c'est mon boulot, Alain Krivine et Daniel Ben Saïd, ça s'appelle « Mais si !» !», Rebelles et repentis, c'est le sous-titre 1968-1988. Donc c'était sur les 20 ans de mai 68. Vous parliez d'ailleurs d'une constellation espérance. Donc là, j'aime bien ça. Là, ça me parle. Mais c'est vrai qu'il y avait un philosophe dans la bande. Hein. Et voilà, constellation espérance. 68, et alors une phrase qui vraiment résonne, bien avant l'intelligence artificielle, Internet, on est en 88, en 68, le virtuel s'efface provisoirement derrière le réel. Tu peux nous expliquer ça? Le virtuel s'efface derrière le réel. Non, mais c'était, je crois que c'est Ben Saïd qui a trouvé ça. Comme sous les pavés, la grève, après. Oui, sous les pavés, la plaque. Ouais. Mais il a pas tort. Je crois qu'il avait prévu un peu ce qui allait se passer, que nous, on n'utilise pas assez le virtuel, comme tu dis. Bon, moi, je reste très réaliste, même si en tant que réaliste, je pense que le virtuel est décisif aujourd'hui. Bon, mais il faut s'y adapter. Et c'est vrai qu'il ne faut pas demander à des vieux schnocks comme moi de nous y adapter, mais de le comprendre. Et moi, je crois qu'il y a plein de choses qui ont changé ces 20 dernières années. J'ai parlé de la classe ouvrière. Je crois que le prolétariat est plus nombreux que jamais, mais plus divisé que jamais, et a moins que jamais conscience de faire partie de la même couche. Bon, c'est un gros problème, ça. Oui, c'est même capital. Mais je crois toujours au rôle du prolétariat, mais pas lui. C'est ça le problème. Bon, etc. Parce qu'il y a des mouvements, mais ils sont totalement morcelés. On a du mal à les recenser. À l'heure d'Internet, ce qui est quand même un comble, on a du mal à... Il y a Front Social, il y a d'autres choses, mais on a du mal à les recenser et on a du mal à avoir une vision un peu globale de ceux qui peuvent résister. Moi, je dis même néo-résister, parce que utiliser justement Internet, utiliser la créativité possible par Internet pour ne pas résister en bloquant, mais résister en proposant du nouveau, tu pourrais dire lutter dans ton... Oui, mais même, moi par exemple, je ne remets pas en cause le rôle des partis, je crois que c'est indispensable, mais ça dépend ce qu'on entend par parti. Ouais. D'abord, parti c'est au pluriel pour moi, il peut y avoir plusieurs partis. Deuxièmement, ils doivent être démocratiques. Et troisièmement, ils doivent se donner les moyens de laisser le contrôle à la masse des gens syndiqués ou non syndiqués qui participent au mouvement. Bon, alors aujourd'hui c'est très vague de dire ça, mais je crois que c'est vers ça qu'il faut s'orienter. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué parce que la période n'est pas favorable. Et donc là, on aura quoi? On a la destruction du code du travail, on a le rejet de l'immigration. Non mais on cumule tout là. Tout. Le cinquantenaire de mai 68,
Normalement, ça devrait être une explosion. Absolument. Une explosion. On a l'inculpation de la solidarité avec les migrants, on a la sanction contre les chômeurs, on a le naufrage du pouvoir d'achat, on a la sélection à l'université, on a la destruction des services publics de la Sécu, etc. Muriel Pénicaud, la ministre, qui gagne 62 000 euros par an parce qu'il n'y a plus l'ISF. Le lait pour bébés pollués, le scandale Lactalis qui est juste grandiose, quoi. Grandiose. Les gens ont l'impression qu'ils ont perdu leur... Alors, ils s'indignent, mais devant leur écran. Et ça ne fait plus rien au niveau, effectivement, là, je te rejoins. Mais 68, ce qui était beau, c'était que les indignations se mettaient ensemble. Et il y avait une gauche, une droite, une extrême gauche. Tu penses que cette boussole, on peut la réparer ou il faut la réparer? Non, je pense que la gauche, ça ne veut plus rien dire maintenant. Ouais. Quand on entend Hollande et tout, ça, pour moi, ça ne veut plus rien dire. Et la force de Macron, c'est de dire justement, gauche et droite, c'est du kiff. Et oui. D'avoir été capable d'associer tout le monde pour mener, comme tu dis, une politique de droite radicale. Donc moi, je n'ai aucune vision sur Macron. Jamais je voterai pour un type pareil. Mais ça, son intelligence, c'est justement d'avoir saisi ça, d'être jeune, et d'avoir saisi que, pour la plupart des gens, gauche et droite, c'est du kiff. Ça ne veut plus rien dire. Et moi, je crois que si on veut redonner espoir à une gauche révolutionnaire, c'est d'être capable d'avoir un projet crédible, ce qui n'est pas notre cas, et le cas de personne, un projet crédible, radicalement anticapitaliste, internationaliste, mais en même temps, qui, pour sa mise en application, réclame d'être unitaire. Unitaire avec des gens qui ne sont pas anticapitalistes. C'est très exigeant. Qui ne sont pas révolutionnaires, qui sont pas trotskistes, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, moi, le terme, je trouve qu'il a plus grand sens aujourd'hui, mais pas ça. Mais non, oui, mais je ne vois pas d'autre solution. Les autres solutions massives, je ne parle pas de Nuit Debout, hein, je parle de Syriza, elles ont échoué. Donc je ne vois pas, ou même aux États-Unis, le fameux leader de gauche, il a appelé à voter Clinton. Donc je veux dire, tu crois pas une... la seule exception c'est peut-être l'Angleterre, encore, je ne sais pas ce que ça va devenir avec Sanders. Mais tu sais très bien qu'on ne peut pas prévoir déjà ces choses-là. Les choses peuvent, les idées peuvent naître, les mouvements, les modes presque peuvent... Non mais le monde titrait... Quelques semaines avant 68, la France s'ennuie. Exactement. Mais exactement. Oui, mais ils n'avaient pas tort. Ouais, c'est les petits déclics, on ne peut pas les prévoir. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que les gens en ont ras-le-bol. Ah oui. Et ça ne va pas plus loin. Ils en ont ras-le-bol. Ouais. Ils sont anticapitalistes, mais ils sont anti-tout. Et ils ne croient pas à autre chose. Mais maintenant, comment ça peut péter, j'en sais rien. Bah, peut-être qu'on va voir, il y a peut-être une solution dans les commentaires. On va en lire quelques-uns. Alors, on a quoi? On a Cyril. Merci aux philosophes et aux révolutionnaires, il faut des penseurs et des agisseurs pour finir agitateurs des peuples. Christophe, les utopistes sont souvent rattrapés par la réalité, nous avait demandé ça. Hakim, Mélenchon essaie de conjuguer le local et le global, ça ne sert à rien, l'internationalisme qui ne tient pas suffisamment compte de ces deux mondes. Tiens, ça c'est vraiment pour toi, note-la bien, il faudra répondre à Hakim. Mélenchon conjugue le local et le global, donc l'internationalisme, ça ne sert à rien. Christophe, la structure sociale française est une myriade complexe, difficile dans ce contexte de fédérer les foules. Sacha, il faut réparer cette boussole pour l'interrogation. Gauche-droite, je pense. Et Alain, mai 68, à l'image de la révolte sourde que chacun porte en soi, si difficile et peut-être impossible à concrétiser en dehors de l'art et de la poésie. Alain Céspedes, qui a vécu mai 68, j'en sais quelque chose. Linda, faudrait-il un leader charismatique pour relancer la machine? Alors, sur l'internationalisme, d'abord... Et après, oui. Après, sur le côté leader incarné, bah, je crois pas qu'on peut dire que ça sert à rien, l'internationalisme, parce que justement... C'est fondamental. Je crois que c'est le nerf de la guerre. Oui, absolument. Il y a des mouvements anti-austérité, il faut les fédérer, les coordonner. Ouais. Alors, pas sous la houlette d'un parti, le PC ou la gauche, l'Union européenne ou je sais pas quoi. Mais moi, je crois qu'il faut essayer de coordonner tout ce qui apparaît comme mouvement révolutionnaire, parce que les uns et les autres se s'enrichissent et qu'on a un ennemi commun, on le voit bien. Au niveau de ce qui est l'Europe, le marché commun. Moi, je ne suis pas pour la sortie de l'Europe, je crois que c'est grotesque. S'ils veulent nous virer, ils nous virent. Mais par contre, je suis pour une autre Europe, ça c'est clair aussi. Bon, mais pour ça que le débat, sortir ou pas sortir, je trouve qu'il est grotesque. Et le Brexit, tout ça, en Angleterre, ça a été l'extrême droite. En Grèce, c'est l'inverse. Bon, mais je pense qu'on ne doit pas rentrer là-dedans. On doit développer une ligne, être internationaliste,
parce qu'aujourd'hui l'austérité s'applique partout, et tout ce que tu as décrit sur Macron, malheureusement ça s'applique dans la plupart des pays sous d'autres noms, mais dans la plupart des pays, donc il faut une réaction internationale. Il faut une lecture déjà. Lecture et ensuite une réaction internationale. Donc il faut faire les deux. Et ça n'existe plus, ça c'est vrai. Il y a l'international des PC, du PS, il y a Mélenchon qui essaye de faire une internationale d'une vague gauche un peu bizarre. Enfin bon, mais tout ça, c'est à reconstruire complètement. Mais je crois que c'est indispensable. Je vais te couper en lisant Henri Lefebvre. Oui. La révolution attaque le global, la totalité. Elle vise en haut l'État, la propriété, les conditions humaines en tant que liées à un ensemble. La subversion qu'il oppose à la révolution vise ceci ou cela, la famille, la sexualité, l'éducation, l'instruction, etc. Elle apporte à la révolution R majuscule le complément et le supplément indispensable. Pas de révolution sans subversion. Si l'attaque contre la totalité n'entraîne pas celle contre les moments, ce qu'il appelle les moments, les moments de vie, les éléments et les parties, elle n'a rien changé. Si l'attaque contre la totalité n'entraîne pas celle contre les moments, le quotidien, les éléments et les parties, elle n'a rien changé. Pour changer l'essentiel, il faut tout changer. C'était ça qui était dit aussi en 68. Ça, je trouve ça juste, sauf qu'il n'y a pas à forcer l'événement. Je crois que dès qu'il y a une situation de type révolution, immédiatement, ça enclenche tout le reste. Et heureusement. Mais je crois que ça enclenche tout le reste. Parce que les gens se libèrent. Comme tu l'as dit toi-même, les gens sont méconnaissables, etc. Les gens se libèrent sur le plan culturel, sur le plan... Alors, ça dépend sur le plan cinéma. C'est vrai qu'on l'a vu en 1848, on l'a vu à la Commune. Oui, il y a des immenses explosions. Dès qu'il y a une explosion sociale, les gens se libèrent. Et je trouve ça très bien. Et alors, il y a une floraison de mots d'ordre, comme sous les pavés de la plage. Bien sûr. Bon, il est interdit d'interdire, mais je veux dire, bon, c'est, je ne sais même pas d'où ça vient. Ouais. Mais c'était des mots d'ordre très justes. Un des mots d'ordre, on va lire 2-3 slogans quand même. La révolution commence où commence le plaisir. Prenons la révolution au sérieux, mais nous ne prenons pas au sérieux. Une révolution qui demande que l'on se sacrifie pour elle est une révolution à la papa. La révolution, c'est une initiative. Un révolutionnaire est un danseur de cordes. Oui, mais non, mais je prends exprès. Tout ça, oui, mais tout ça, bon, moi, je ne suis pas contre. tout ça est pas mal. Mais ce que je me rappelle néanmoins, c'est que, par exemple, le leader de la révolution de l'époque, Danny Cohn-Bendit, qui n'avait pas les mêmes opinions que maintenant, qui n'est pas le même, il n'utilisait pas la télé, parce que la télé était très faiblement vue, il utilisait surtout la radio, mais il se débrouillait magnifiquement, parce qu'il avait la gouaille de la spontanéité du mouvement, qu'il a gardé au Parlement européen, pour ça que toute la droite s'acclame au Parlement européen, parce qu'il a gardé sa gouaille. Par contre, politiquement, ce que j'ai dit, il est Macron maintenant, il a tout abandonné de 68, il le reconnaît lui-même, bon, il a tout abandonné. Mais en 68, c'était le leader, justement, de cette période transitoire, à la fois un mouvement étudiant, à la fois un mouvement spontané, très doué, qui avait fait du théâtre, qui était vraiment... Et puis, mais par exemple, je te donne un exemple. Tous les soirs, on était réunis en bas de la statue d'Enfer Rochereau. Qui dirigeait ? Il y avait soit le gars qui avait le porte-parole, qui avait le micro, c'était Cohn-Bendit, soit ceux qui dirigeaient le vaisseau, c'était nous en bas. Et puis il y avait des milliers de gens qui gueulaient, on va là, on va là, on s'en foutait. Cohn-Bendit s'en foutait, nous aussi. Ben, nous et Cohn-Bendit, ce n'est pas la démocratie. C'est un pseudo-démocratie. Mais dans les faits, c'est ce qui s'est passé. C'était le service d'ordre qui dirigeait où on allait, ou Cohn-Bendit avec son micro. Voilà. Justement, ça vient à la question de le leader charismatique. L'incarnation, en tout cas, d'un mouvement. C'est vrai qu'on sait que l'être humain marche à ça, on le sait. Ça fait 2000 ans qu'on sait comment fonctionnent les foules. On le sait aussi. Oui, on le sait. D'ailleurs, vous-même, je ne sais pas qui vous allez présenter au NPA, mais ça va se poser comme question de l'incarnation. C'est même, je pense, un facteur de dissension en interne, j'ai cru comprendre. Oui, mais enfin, justement, Besançon, il l'a dit pas plus de 2 fois. Poutou, pas plus de 2 fois, il a fallu le forcer. Bah non, mais là, il faut quelqu'un. Et c'est plutôt bon signe. Là ça va être Poutou, je suppose. Enfin, d'accord. Mais en tout cas, la question de l'incarnation, c'est une vraie question aujourd'hui. Oui et non, il y a un danger aussi. Ah oui, il y a énormément. Il y a un danger énorme, c'est que c'est contraire à tout ce qu'on dit du pouvoir populaire, de l'auto-organisation, du contrôle ouvrier, de tout ce qu'on veut. C'est complètement contradictoire. Donc moi, je préfère qu'il n'y ait pas de leader, mais d'un autre côté... Les gens sont faits pour qu'il y ait un leader. Ça, c'est la contradiction. Nietzsche disait de façon très péjorative sur l'être humain, les hommes sont des animaux de troupeau. Et il y a un peu de ça. Ouais. Il faut un chef du troupeau. Mais il faut d'abord le troupeau.
Et ni Dieu ni maître, ça te parle Ben moi, ça me paraît juste, ni Dieu ni maître. Mais on n'est pas beaucoup à le penser. Alors, on va prendre d'autres questions. Alors, on a Cécile. Un leader, elle fait trois points d'exclamation. Il faut un leader pour trois points d'exclamation. Cécile, une autre Cécile. Pourquoi aucun syndicat ne tente de fédérer les chômeurs? Christine, il faut toujours... Alors, excuse-moi... Quelque part, un leader charismatique, machin. Linda, peut-on parler d'une problématique comme le suggérait le fameux débat entre Brassens, qui croit en l'individu qui fait bouger les lignes, et Jean Ferrat, le collectif qui est moteur? Donc, peut-on parler d'une problématique comme, voilà, entre ces deux trucs? Cyril, Arlette Laguiller n'était pas entendue, mais une femme admirable. Que tu as connue. Oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, elle était, moi, j'ai trouvé qu'elle était admirable avec tous ses défauts. Mais qu'est-ce que tu admirais? Et justement, ça, cette espèce, moi, elle m'a appris d'abord à être simple. Parce que quand je me réécoute la première campagne présidentielle, je me rappelle avec ses lunettes. C'est incompréhensible. Où j'explique qu'il faut une armée plus puissante que l'armée, une armée ouvrière plus puissante que l'armée réelle. Quand on pense au mec qui est en train de bouffer sa soupe à 8h du soir, pour lui, c'est incompréhensible. Ouais. Et Arlette, elle m'a appris à être simple. Mais elle a ses défauts, elle était sectaire, elle était à Hello et tout. Mais moi, je l'ai vu chialer des fois au Parlement européen, devant tous ces sbires de Hello autour d'elle, une femme qui pleure, quelle horreur. Moi, je trouvais ça très bien, elle était humaine. Donc, il y a un côté d'humanisme qui me plaisait chez Arlette, mais qui ne me plaît pas à Hello, c'est évident. Donc, c'est la critique. Si on doit, Alain, si on doit fantasmer sur un mai 68 d'aujourd'hui, un mouvement qui fait qu'il y a une vraie résistance qui s'organise face à la précarisation du monde et à l'imbécilité, à la crétinisation du monde. C'est quoi les combats? C'est... Moi, j'ai envie de te dire, il y a un truc avec le féminisme, il y a un truc avec le racisme. Oui, bien sûr. Avec l'immigration. Avec l'immigration. Il y a un truc avec l'école, il y a un truc avec bon, les salaires, l'austérité. Comment tu vois que ça va converger? Moi, je crois que ça ne convergeait pas avant. Aujourd'hui, ça converge. Ah oui, je ne vois pas la lutte contre le racisme ou la lutte pour les femmes, indépendamment des luttes sociales. Oui. Mais par contre, c'est un rajout qui n'existait pas avant et qui est pour moi décisif. Mm. Mais je crois qu'il faut mélanger justement que la force d'une nouvelle organisation révolutionnaire, c'est d'être capable d'être aussi bien écologiste, féministe, anticapitaliste et de mélanger... De donner un souffle. Il faut quoi? Il faut un pensum, il faut un catéchisme, il faut un livre. Non, il faut une compréhension. Pour moi, c'est. Mais elle vient d'où? Elle émane d'où? Un youtubeur génial qui sort tout d'un coup de YouTube et qui dit les gars, suivez-moi. Non, mais justement pas. Moi, je crois que ça va venir de la nécessité de penser collectivement, d'avoir les moyens de penser collectivement. Je t'ai parlé de Nuit Debout, je ne remets pas en cause Nuit Debout, je remets en cause la façon dont ça a été organisé, mais je pense que c'est utile, tout à fait utile, et je pense que tous les partis qui veulent se construire doivent mettre ça à l'ordre du jour maintenant. Alors je sais que Mélenchon essaye de le faire, mais de façon maladroite et complètement personnelle, mais le fait de vouloir le mettre, c'est positif. Ça, c'est positif. Donc si tu devais prioriser les choses, c'est l'éducation d'abord, comme le propose Cécile, ou c'est... C'est l'éducation politique. Je crois qu'il y a une sous-politisation, une dépolitisation générale qui orchestrée aussi. Orchestrée, parce qu'elle sert bien sûr. Mais je crois que c'est ça qui est le plus grave aujourd'hui. Une lecture politique des. En 68. Il n'y a plus de lecture. Il n'y a plus de lecture parce qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, donc il n'y a plus de lecture, il n'y a plus de boussole. Les gens sont paumés. Non, il y a une lecture qui va remplacer la lecture politique, c'est la lecture ethno-raciale. Oui, si on veut, mais elle est horrible. Elle est un piège. Non, mais elle est très, très médiatisée. Ah bah aujourd'hui, on en a partout. Les gens sont anti-immigrés, c'est les immigrés qui. Non, mais immigrés, mais ça peut être aussi les noirs contre les blancs, ça peut être les arabes contre les noirs. Bien sûr. Et on met le doigt là-dedans, il y a une horde qui nous tombe dessus, c'est très violent. Il y a de l'islamophobie, puis il y a aussi l'esprit anti-juif qui est très fort aussi, il ne faut pas l'oublier. Moi je sais que je me bats y compris pour qu'il y ait les deux chaque fois, au niveau des Arabes bien sûr, et au niveau des Juifs, parce que je trouve que les deux sont importants. Et Dieudonné, on parle de leader charismatique, mais il fait des vues sur Internet. Bien sûr, c'est terrible, mais bien sûr qu'il fait des vues. Donc ça aussi, ça détruit, ça c'est pas Macron, Dieudonné c'est pas Macron. C'est pire, c'est encore pire. Oui. Mais il entraîne plein de gens, comme Macron entraîne plein de gens. Et c'est là-dessus qu'il faut lutter. Mais je comprends pourquoi il entraîne. Il entraîne parce que les gens sont perdus. Ils sont cyniques, du coup, il y a un cynisme. Ben oui, il y a une espèce de cynisme politique qui naît sur le thème tous pourris. Voilà.
Et donc le complotisme. Le complotisme maintenant se développe. Il y avait l'esprit religieux qui se développait. Il y a tout peut se développer maintenant. Il faut essayer par l'éducation de lutter contre. Une éducation populaire, du coup. Éducation populaire, éducation massive. Et pas rester en petit groupe entre soi, qui a toujours raison, parce que ça, c'est de la connerie. Ouais. Et il y a tout ça à refaire. Mais je pense que ça peut revenir. Et moi, je crois que justement, mai 68, il faut voir tout ce qui a manqué, tout ce qui a foiré, tout ce qui a réussi, et essayer de faire un mai 68 qui réussisse. Qu'est-ce que tu penses des comités d'action? Tu peux nous en dire un mot? Parce que c'est quand même un truc d'organisation. Mais à l'époque, oui, mais à l'époque... Attends, il y en a plein qui ne connaissent pas ce que c'est. Non, mais les comités d'action, ça existait à Paris, ça existait en province. Mais malheureusement, c'était souvent intersyndicaux. Alors c'est quoi? C'est-à-dire que les syndicats se mettaient dedans en attendant que ça se passe. Mais c'est quoi? Explique à ceux qui connaissent. Ils donnaient à bouffer aux gens, ils faisaient la circulation dans les rues des villes. C'est-à-dire c'est des groupes qui se donnent des missions, oui, c'est ça? Oui, qui donnaient des missions particulières, qui remplaçaient la mission de l'État, que l'État ne pouvait plus faire, n'était plus en état de faire. Ça n'a pas duré très longtemps, c'était utile. Il n'y a jamais eu de coordination des comités d'action, ça aurait été bien qu'il y en ait une. Parce que du coup, le pouvoir aux travailleurs, ça avait un sens. Là, ça n'avait aucun sens. Les leaders connus, les gens n'en voulaient pas. Oui. Et les leaders syndicaux ou politiques n'étaient pas prêts à suivre un mouvement qu'ils ne contrôlaient pas. Donc personne n'était prêt à prendre le pouvoir. Donc le pouvoir aux travailleurs, ça ne voulait rien dire à l'époque. Mais moi, je pense que maintenant, justement, il faut essayer de se donner les moyens, mais c'est difficile. C'est très difficile à la fois d'avoir un contrôle de tous les gens qui luttent, syndiqués, non syndiqués, membres de parti, pas membres de parti, et en même temps d'essayer d'expliquer des choses là-dedans. Et ça, c'est le rôle d'un parti. Même s'il est petit, qu'il n'a pas la prétention de représenter tous les opprimés, ceux qui sont plus représentatifs que nous, c'est Le Pen, c'est pas nous à l'heure actuelle, donc il faut être sérieux, mais donc on n'a pas la prétention de représenter tous les opprimés, tout le prolétariat, c'est du pipeau, une partie, une petite partie n'est plus politisée. Mais faut voir. Non, ça va. Alors, moi je pense qu'on pourrait, l'idée de comité d'action, je vois très bien la réponse, mais c'est intéressant, j'ai l'impression que le jugement critique peut être libéré individuellement et peut être libéré en groupe. Et j'ai l'impression que des gens qui, tout d'un coup, fédèrent leur façon de philosopher, d'avoir du jugement critique, d'essayer de comprendre, de créer du sens ensemble, j'ai l'impression que c'est possible, mais peut-être que je suis très utopiste, de lancer des mouvements où on va clasher l'autorité, clasher les pouvoirs, c'est-à-dire déranger, provoquer avec toute la palette qui permet le jugement critique, pas simplement l'intellect, mais l'humour, mais la contestation, mais la proposition d'idées neuves. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des modes dans la réflexion qu'on peut avoir sur la société et que ça peut essaimer aussi comme ça. Mais bon, je pense que ça a été essayé. Que tous ceux qui ont essayé de créer Nuit Debout ou l'équivalent, hein, c'était ça. Mais je répète, pour moi, ça a échoué. Mmh. Et ça ne pouvait qu'échouer. Alors, et ça a échoué complètement. On prend. Je ne suis pas contre. Hein. On finit dans quelques minutes, on fait une petite salve de questions et c'est bon. Christine, un problème avec le retour en arrière de certaines libertés d'expression. Alexandra, néo-résistance, organisons des élections pour un leader. Carrément, ils veulent faire le parti, là. Ok. Hakim, c'est la 5ème République qui impose un leader de troupeau. En tout cas, les valeurs universelles, si elles ne prennent pas en compte les cultures, et si les cultures ne s'ouvrent pas à l'universalisme, il y aura beaucoup de frustrés. Oui. Zorgandessi, dans un système de gauche, qui décide de ce que l'on fait? David, il n'y a plus de pavé. Maryse, convergence des luttes point d'exclamation. Zorgandessi, qui décide ce qu'il faut faire ou produire dans un système de gauche. Et Wada Nouri, le désenchantement pour l'idéologie révolutionnaire n'est-il pas la conséquence d'une perte de crédibilité des grands récits? D'où le retour par opportunisme pour certaines politiques à un discours nationaliste. Très intéressant, Wada. Très intéressant. Grands récits et philosophie font bon ménage. Hervé, le problème, c'est qu'en mai 68, certains voulaient faire une révolution radicalement communiste et d'autres une révolution radicalement anticommuniste, tout en tombant d'accord sur l'antifascisme et l'antistalinisme qui étaient leur seul point de convergence. Et aujourd'hui, parmi les mouvances anti-système, c'est toujours pareil, sauf qu'il n'y a pratiquement plus personne en faveur d'une révolution communiste. Je te laisse
répondre à la révolution communiste. Mais la révolution communiste, moi les mots... je veux dire, le mot communiste, il est discrédité, même si pas, il ne l'est pas pour moi, mais il l'est, bon, qu'on le veuille ou non. Donc le problème, c'est est-ce qu'on maintient le capitalisme? Est-ce qu'il faut révolutionner la société? Ou est-ce qu'il faut la replâtrer? C'est ça le débat de fond, qui est avec tout ce qu'on peut appeler les réformistes et les non-réformistes. Bon, alors à partir de ce moment-là... T'aimes bien ce que fait Badiou? Oui, Badiou, mais il est parfois un peu sectaire. C'est ça le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il a, gardé un côté Mao qui est réel, même s'il dit des choses justes. Mais je veux dire, le drame, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de leader. Mélenchon, j'ai dit ce que j'en pensais. Badiou, pareil. Il reste à gauche. Le PC, j'en parle même pas, ça devient incohérent. Ça part dans tous les sens. Le PS, j'en parle même pas. Les Verts, c'est pas la peine d'en parler. Alors, je veux dire, on peut prendre, il faut... Ce qui a été dit par plusieurs, c'est juste. Il faut être capable d'assimiler ce qui vient de l'écologie, ce qui vient du numérique, ce qui vient Tu veux un Macron de gauche, en fait. Quelqu'un qui arrive... Non, mais de gauche, mais révolutionnaire, anticapitaliste. Et donc, ça peut émerger comme un Macron, tu penses? Ça peut arriver comme ça, Je pense que ça peut arriver après une étincelle que je ne peux pas prévoir. Je pense que les étincelles, il y en a plein à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y en a une qui va faire péter la baraque? J'en sais rien. Mais je crois que, parce qu'il y a tout ce dont on a parlé comme obstacle nouveau, etc., mais je pense qu'il y a un ras-le-bol qui est généralisé, et comme en 68, il peut y avoir une étincelle, ça peut être la répression, ça peut être un mort, ça peut être... De toute façon, ça marchait comme ça pour l'évolution du monde. Toujours. Il y a toujours une étincelle, et après, alors ça part ou ça part pas. Là, aujourd'hui, c'est pas parti. Donc, toutes les lois que tu as décrites passent. Mais ce que disait Wada sur l'idée du grand récit, l'idée qu'on n'a plus de grand récit... C'est vraiment parti. La preuve, c'est que 68, ça va être interprété de plusieurs façons. Soit comme ça va être traité comme un enterre. Un psychodrame social. Un psychodrame en enterre. Une crise d'ado. Soit une simple révolution culturelle, sexuelle et artistique. Ouais. Soit une révolution sociale. Mais je veux dire, il y aura plusieurs interprétations. Il paraît qu'il y a déjà une quarantaine de livres qui sont sortis, il y en a autant qui vont sortir. Il y a un film qui va sortir. Bon, tout le monde va s'y foutre plus ou moins sur 68. Ouais. Mais je pense que peu vont développer l'idée qu'il faut faire un 68 qui réussisse. Et cette idée que me dit Phil, aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent être entrepreneurs et certains jeunes ouvriers arrivent à gagner des fortunes avec la connaissance du marketing Internet. Oui, exemple d'Anthony Nevo avec l'anticapitalisme et mal barré. Mais c'est vrai, mais c'est combien de gens? Ouais. C'est ça le problème, c'est que toutes ces idées... Non, mais quand tu dis ils ne votent pas à 70% à Saint-Denis, c'est peut-être aussi que l'idée d'être contre le système, finalement, c'est plus l'idée actuelle. Peut-être que les jeunes d'aujourd'hui veulent être dans le système et haut placés. Non, certains, oui, mais la majorité, non. Tu penses qu'ils sont anti-système? Je crois que la majorité... Ils croient plus aux élections. Non, ne pas croire, ça ne veut pas dire être anti. Oui, mais... La désillusion et le désengagement, ça ne veut pas dire qu'on est engagé dans la cause opposée. C'est peut-être d'ailleurs tout le problème. C'est de ne pas être engagé du tout, c'est de dire « je m'en fous ». Ou je vote Macron, ou je vote plus. C'est un peu ça, maintenant. Christine, pourquoi une révolution devrait être forcément communiste? Pourquoi pas simplement humaniste? Cyril, y a-t-il un antidote? On veut nous vacciner à toutes les sauces. Très bien. On va conclure, mes amis. C'était vraiment très, très intéressant de vous avoir. Une révolution est-elle encore possible? Attends. Une révolution est-elle encore possible dans un pays où l'âge médian est supérieur à 40 ans? Oh, est-ce que c'est... La preuve, j'ai 67 ans, ouais. Je suis toujours révolutionnaire. Voilà, exactement. Et il y a des jeunes qui sont beaucoup plus jeunes. Qui sont complètement réac. Voilà, ça veut rien dire. Hasta la victoria, sempre, merci. C'était vraiment très chaleureux. En deux mots, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as envie de voir à l'avenir? Vraiment, si tu pouvais rêver, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir dans les années à venir? Ce qui me ferait plaisir, c'est un 68 qui réussisse. Mais quelle tête il aurait en deux mots? Il aurait une tête de libération de tout le monde. Et ça, je le souhaite. Où il n'y aurait plus tous les mots dont tu as parlé, que je constate comme toi, et ben, je crois qu'il faut les supprimer pour qu'il y ait une humanité qui vive enfin humainement.
Bah écoute, je te remercie infiniment. C'était un moment passionnant. J'espère que ça vous a plu. La vidéo va rester sur mon Facebook, mais je vais la mettre aussi sur YouTube. Vous la trouverez et donc vous pourrez la partager. Merci d'être là. On continue le combat, on continue la lutte et c'était un grand, grand moment. Merci Alain, merci beaucoup. Ok. À très bientôt. Et merci à vous. Au revoir les amis, au revoir les indisciplinés.